Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 23 mars, l'Église célèbre la mémoire de saint Alphonse Turibe de Mongrovejo, archevêque de Lima. Né en 1538 à Majorque en Espagne, saint Turibe devint professeur de droit à l'université de Salamanque et fut nommé président du tribunal de l'Inquisition à Grenade. En 1581, alors qu'il est encore laïc, il est nommé au siège de Lima, au Pérou, une charge des plus difficiles tant sur le plan religieux que géographique. Pendant les 25 années suivantes, ce saint homme s'est épuisé au service de son troupeau. Il a parcouru tout son diocèse à pied, s'exposant volontairement au climat brûlant, aux animaux sauvages, aux maladies tropicales et à d'autres dangers afin de réformer le clergé et d'instruire le peuple dans la foi. Il a fondé le premier séminaire du continent américain et a baptisé et confirmé près d'un million de personnes. Son travail a été facilité par le fait qu'il s'est efforcé d'apprendre les langues indiennes du peuple dans lesquelles il était associé à Saint François Solano et qu'il s'est opposé à toute tentative de justifier les mauvais traitements infligés par les Espagnols. Il exerça ainsi une grande influence sur d'autres pays d'Amérique du Sud. Saint Turibe était toujours attentif aux sentiments des pauvres et ne ménageait pas sa charité à leur égard. Au cours de son ministère, il se lia d'amitié avec Sainte Rose de Lima et la confirma. En 1606, à l'âge de 68 ans, il reçut le viatique et rejoignit sa récompense céleste. Prions. Dieu, tu as accru ton Église par la sollicitude apostolique et le zèle pour la vérité de Saint Turibe, ton évêque. Accorde aux personnes qui te sont consacrées de connaître un nouvel accroissement de la foi et de la sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Alphonse Turibe de Mongrovejo, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.